Troisième paire de jumeaux, Élodie Gossuin a grandi la famille, ses photos font craquer la toile. Ce vendredi 5 avril 2024, Élodie Gossuin a annoncé sur Instagram avoir adopté une troisième paire de jumeaux. Les internautes ont craqué devant les photos des enfants de l'ancienne Miss avec les nouveaux pensionnaires de la famille. Élodie Gossuin a agrandi la famille. Pour rappel, l'ancienne Miss France est déjà maman de deux paires de jumeaux. Une famille nombreuse qu'elle chouchoute à la moindre occasion. C'est d'ailleurs pour consacrer du temps à sa tribu qu'elle avait quitté son poste à RFM. Très proche de ses deux paires de jumeaux, Jules et Rose, et Léonard et Joséphine, Élodie Gossuin ne manque jamais d'évoquer sa vie de mère de famille et ses relations avec ses enfants dont les plus âgés ont 16 ans. Sur le plateau des maternelles, elle s'était souvenue de sa première grossesse qu'elle avait très bien vécue ainsi que sa deuxième grossesse. Elle révélait avoir eu beaucoup de mal à encaisser le fait qu'elle attendait une fois encore des jumeaux. Lors de la première échographie, ça a été un choc de voir qu'il y avait deux poches. Là pour le coup, ma réaction, si esti que j'ai demandé au médecin d'éteindre tout de suite. Je me suis levé, j'ai adressé la parole à personne, j'ai arrêté l'examen et je suis allé m'enfermer aux toilettes. Pour pleurer. Joséphine et Léonard les ont baptisés Zopi et Hippo. Aujourd'hui, Élodie Gossuin est bien évidemment très fière d'être la maman de ses jumeaux qui font son bonheur au quotidien. Pour autant, elle n'envisage pas d'avoir une troisième paire de jumeaux comme elle le confiait dans une interview accordée à nos confrères de Femmes Actuelles. Mais ce vendredi 5 avril 2024, Élodie Gossuin a surpris les internautes en annonçant avoir agrandi la famille en ayant désormais une troisième paire de jumeaux. Il s'agit en réalité de petits lapins adoptés par la tribu. Joséphine et Léonard les ont baptisés Zopi et Hippo, précise-t-elle, en légende d'un carrousel photo où on peut la voir avec les lapins ainsi que ses enfants, ravis d'avoir de nouveaux pensionnaires. Des clichés qui ont bien évidemment fait craquer la toile. Tellement mignons les lapinous, ils sont trop mignons, ou encore trop choux, peut-on lire dans les commentaires.